découragement est un ennemi ami. C'est-à-dire que le découragement est une personne qui vous visite toujours. Même si vous ne voulez pas. Mais puisque c'est un ennemi, mais c'est aussi un ami, c'est la raison pour laquelle il n'existe aucune personne sur terre qui n'a été découragée. Wow. Toute personne a déjà été découragée. S'il vous plaît. Oui. Pas une seule fois. Oui. Pas une seule fois. Oui. Même si tu as pris la résolution en disant, bon, là maintenant j'ai compris, là maintenant c'est bon, le Seigneur me relève. Mais dans le mois qui va suivre, l'année qui va suivre, quelque chose va te décourager encore. Oui. Et pourtant, tu sais que le découragement n'est pas une bonne chose. Mais même si tu es encouragé dans la foi, ta femme peut te décourager. Oui. Même si tu es encouragé dans ton foyer, ton patron au travail, à un moment, peut te décourager. Oui. Je dis, mais oui. Je fais même tous ces efforts-là. Pourquoi? Pourquoi même? Oh. Des fois, même c'est un animal domestique qui peut te décourager. Choc. C'est un ennemi ami. C'est un ennemi à qui nous ouvrons la porte. Comme si c'était un ami. Et pourtant c'est un ennemi, hein. Mais tout le monde ouvre la porte au découragement à un moment. Tout le monde. Tout le monde a un moment le sentiment de baisser les bras. Oui. Tout le monde, un moment, il se pose la question, est-ce que cela vaut la peine, les efforts que je produis? Est-ce que vraiment, est-ce qu'on voit ce que je fais? Oh. Est-ce qu'on voit ce que je fais? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Restez. Oui. Même dans le mariage, oh. Oui. Ta femme peut se demander, est-ce que papa voit ce que je fais? Hey. Est-ce qu'il voit ça? Hey. Alléluia. Hey. Donc c'est un ennemi, mais à qui on ouvre la porte comme s'il était de foi un ami. Hey. Il est à la base du retard de certaines carrières. Il est à la base du retard de certains ministères. Il est à la base de beaucoup de choses. Vous devez savoir que le découragement est l'une des forces qui donne accès à la gravité de la maladie et à la mort. Beaucoup de malades meurent d'abord par le découragement. Wow. Leur morale descend si bas que la maladie trouve l'opportunité de leur arracher la vie à cause du découragement. Alors, je vais donc avoir ce séminaire sur comment surmonter, comment vaincre le découragement. Amen. Comment le vaincre? Moi, le découragement me visite peut-être chaque seconde. Il veut rentrer dans ma maison chaque seconde. Je suis très visité par le découragement. C'est-à-dire, il veut venir à tout moment. À des moments, je résiste constamment. Mais il arrive qu'à des moments, pour une circonstance ou pour une autre. Hier, j'ai dû intervenir ici à la rencontre des pères. Oui. Mais j'ai passé 2 semaines quand on est venu me dire que tu dois intervenir. J'ai dit non. J'ai dit non, le Gabon est trop compliqué. Les chrétiens sont difficiles. Oh. J'ai senti vraiment le découragement. Et j'ai appelé le comité pour dire non, je ne peux pas intervenir. Chercher quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit, mais comment quelqu'un d'autre? Mais tu ne peux pas nous faire ça. Et avant que je ne dise que je ne peux pas intervenir, quelqu'un a reçu une pensée. Il est venu me voir au bureau et il m'a dit, Dieu m'a dit de te dire de ne pas te défaire de la charge d'intervenir. Wow. J'ai regardé la personne. J'ai dit, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Oui. Il t'a dit de venir me dire ça. Ou bien tu as regardé mon visage. Non, il dit non, c'est pas vu. Oh, le choc, le papa est très dangereux. Deux fois, vous voulez faire une chose, mais vous avez l'impression que vous connaissez déjà le résultat. Ça ou c'est pas ça? Après, vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment la peine même de faire ça? Donc, le découragement visite comme ça. Oui. Mais il faut apprendre à le surmonter. Et hier, vous m'avez vu surmonter le découragement, non? Oui, oui. J'ai intervenu. Ah oui, la casse-pied. J'ai prêché. Tuer le découragement. On peut surmonter le découragement. Je confirme. On peut le vaincre. Oui, il a fui. Le découragement est une arme très puissante pour le diable. Oui. Très puissante. Oui. Le diable sait les endroits où vous ne pouvez pas aller. Oui. Il sait. Le diable sait ce que vous ne pouvez pas supporter. Il sait. Et vous devez montrer au diable que pendant que tu crois que tu sais, tu ne me connais pas bien. Oui, oui, oui. C'est ça qu'il faut faire. C'est cela. Oui. Le découragement aide beaucoup de personnes à rater ce que Dieu veut faire avec eux. Oui, oui. Alors, nous allons enseigner sur vaincre. Oh! Surmonter. Hey! Le découragement. Oui, 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 oui. Vous voyez les gens découragés? Vous n'avez même pas besoin de faire un portrait sur eux.
Ça se voit facilement comme ça. Oui. Comment ça se voit? Comment ça se voit? Les actions qu'il posait hier et les actions qu'il pose aujourd'hui. Hier, il faisait yeah, 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 yeah. Aujourd'hui, ils sont où? Au fin fond, là-bas, dans un petit coin. Oh! What a shock! Oh, mon parent, on chante ici, là. C'est ici, là, que tu faisais yeah, yeah, yeah. Qu'est-ce que tu fais au fin fond du coin? Ils sont même vers le toilette, quelque part vers le toilette derrière là-bas. Oh. Il n'est même pas dans la salle, hein. Il est aux toilettes là-bas. What a shock. Quelque part, il prend ses notes. Oh. Il ne veut pas avoir trop de relations avec les gens. Le découragement. Il est découragé, mon parent. Là-bas, c'est les toilettes, ça sent mauvais. Oh. Ici, là, c'est la salle de l'église. C'est la salle, yeah. Hey. What a shock. What a les découragés, c'est facile. Vous-même, ils n'ont pas besoin de vous montrer ça. Oui. Ils ne font plus aujourd'hui ce qu'ils faisaient si bien. Yeah. Oui, 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 oui. Tu n'as pas besoin de dire, moi je suis un découragé. Moi je dis, non, ça se voit. Je suis pas. Non, ça, même si tu es coiffé comme tu es coiffé, ça se voit. Non. Le découragé n'a plus le zèle aujourd'hui qu'il avait. Yeah. L'engouement. Hein? Oui. L'engouement. Oui, oui. Le découragé n'a plus ça. La passion, la passion. Wow. La passion, il n'a plus ça. Moi, je sais quand je suis découragé. Il faut savoir quand tu es découragé. Oui. Afin de remonter, prendre le contrôle. Hey. Voyez-vous, le découragement peut vous faire rater beaucoup de choses. Oui. Un médecin découragé peut ne pas venir consulter ses malades. Oui. Tous les malades attendent là du matin au soir. Le médecin est là-bas à la maison. Il est découragé. Il appelle seulement la secrétaire pour dire, je ne viendrai pas au travail aujourd'hui. What a shock. Si vous avez l'audit, si vous avez mal à l'oreille, vous retournez à la maison avec votre douleur. On vous demande de revenir jeudi prochain. À cause simplement du fait que le médecin qui devait vous consulter, vous donner une ordonnance afin d'enlever cette douleur aujourd'hui, est découragé à la maison. Pour une raison ou pour une autre. Hey! Le découragement, ce n'est pas une bonne chose. Le découragement peut vous amener à faire subir les autres. Oui, oui, oui. Qui de foi ne sont pas coupables. Oui, innocents. Oui. Des innocents. Vous pouvez arriver à la maison comme ça, vous ne voulez parler à personne, les enfants n'ont pas mangé, vous ne vous en foutez, vous ne parlez à personne, vous rentrez dans votre chambre, c'est fini, ne m'embêtez pas. Et les enfants n'ont pas mangé. Mon Dieu, le découragement n'est pas bien. Le découragement n'est pas bien. Oui. Le découragement. Hey! Il peut faire subir. Les innocents. Les innocents. Nous allons le vaincre. Amen.